Tous les artistes n'ont pas amassé leur richesse uniquement grâce à la musique, car la plupart d'entre eux sont également des magnats des affaires avec d'énormes investissements dans l'industrie de la musique et d'autres secteurs comme l'habillement, l'immobilier, les boissons, etc. De plus, les rappeurs sont connus pour vivre un style de vie somptueux qui comprend de grandes demeures, des voitures de luxe et des fêtes coûteuses. Cependant, il ne faut pas se demander en raison de leurs revenus énormes. Voici donc 10 rappeurs les plus riches au monde en 2022. 10. Lil Wayne, valeur nette, 170 millions de dollars. Dwayne Carter, connu sous le nom de Lil Wayne, est un rappeur et directeur de disques américain. Il a vendu plus de 120 millions de disques à travers le monde et a remporté 5 Grammy Awards. Il est l'un des plus grands rappeurs de tous les temps, connu pour son flow unique et son record d'avoir plus de succès dans le top 100 qu'Elvis. 9. Usher, fortune, 180 millions de dollars. Usher Raymond est un chanteur américain ainsi qu'un homme d'affaires. Il est reconnu par des millions de mélomanes pour sa voix douce et ses mouvements de danse. Il a remporté 8 Grammy Awards pour sa musique et vendu plus de 80 millions de disques à travers le monde. Il est copropriétaire de l'équipe de basketball des Cleveland Cavaliers et du service de streaming Tidal. Il est également cofondateur de la société de médias RBMG Records, une co-entreprise avec le gestionnaire de talent Scooter Braun qui a sorti le premier enregistrement musical du chanteur canadien Justin Bieber. 8. Drake. Fortune, 180 millions de dollars. Drake est l'un des artistes les mieux payés au monde qui est devenu célèbre il y a 10 ans lorsqu'il a sorti son premier single, Best He Ever Had, alors qu'il avait à peine 24 ans. En 2010, Drake a remporté un succès commercial majeur pour son premier album studio, Thank Me Later, qui a été classé numéro 1 au Canada et aux États-Unis. En fait, il était numéro 1 sur les charts Billboard 100, R&B, hip-hop et US rap. Drake a sa propre marque d'alcool, une ligne de vêtements et un gros portefeuille immobilier. Il vole dans un jet privé, fait des publicités pour Nike et Apple et est un ambassadeur de la marque pour les Raptors de Toronto. 7. Master P, valeur nette, 200 millions de dollars. Percy Robert Miller, connu sous son nom de scène Master P, est célèbre pour sa musique et son style durable. Lorsque son grand-père est décédé, il a hérité de 10 000 dollars dans le cadre du règlement et a utilisé cet argent pour acheter un magasin de disques en Californie. Son magasin, No Limit Records, est devenu plus tard la base de son propre label. Les revenus générés par cette entreprise l'ont inspiré à faire du théâtre et de la production cinématographique. Il était également basketteur professionnel et lutteur. Miller a sorti 15 albums studio et a remporté de nombreux prix au cours de sa carrière comme « Favorite Rap Hip Hop Artist » aux American Music Awards. 6. Pharrell Williams, valeur nette, 200 millions de dollars. Pharrell Williams est un rappeur américain qui a commencé sa carrière dans la musique avec le lancement d'une société de production appelée The Neptunes en 1990. Il est le chanteur principal du groupe de hip-hop et de rock nerd. Pharrell a produit des artistes célèbres comme Jay-Z, Britney Spears et Gwen Stefani en étant producteur de disques. Pharrell a lancé sa propre marque de chaussures et sa ligne de vêtements. Il conçoit des lunettes de soleil, des bijoux et des baskets pour de grandes marques comme Adidas, Louis Vuitton. 5. Eminem, valeur nette, 230 millions de dollars. Marshall Mathers alias Eminem n'a pas besoin d'être présenté dans l'industrie de la musique, il est en effet le vrai Slim Shady et le rappeur blanc le plus populaire largement accepté par tous les mélomanes de toutes les couleurs et de toutes les croyances. Eminem a commencé sa carrière en 1996 et a commencé à être reconnu en 1999 avec l'aide du Dr. Dre. Il a remporté 15 Grammy Awards et était l'artiste de rap le plus vendu au monde dans les années 2000. Il a également joué dans de nombreux films, possède une maison de disques et soutient des marques comme Lipton et Chrysler. 4. Dr. Dre, valeur nette, 780 millions de dollars. André Rommel Young, connu professionnellement sous le nom de Dr. Dre, est un rappeur, producteur et homme d'affaires américain. Il est surtout connu pour son premier album studio solo, The Chronic, sorti en 1992. Il a gagné plus d'argent en tant que producteur par rapport aux quelques millions qu'il a gagnés dans sa carrière de rap.
Il a nourri et produit de nombreux artistes célèbres comme Eminem, Snoop Dogg, etc. Il a vendu sa participation dans la société de casque Beats by Dr. Dre à Apple pour la somme colossale de 3 milliards de dollars en 2014. 3. Sean Combs, Diddy, valeur nette, 900 millions de dollars. Sean Combs, connu sous le nom de Puff Daddy, P. Diddy ou simplement Diddy, est un homme qui connaît le métier de gagner de l'argent. Il n'est pas seulement un rappeur à succès, mais aussi un directeur de disques, un producteur de disques et un entrepreneur. Il a reçu 3 prix Grammy dans toute sa carrière. Il a sa propre ligne de vêtements Sean John et des intérêts commerciaux dans les hôtels, les boissons, les plateformes de jeux ainsi que d'autres projets. 2. Jay-Z, valeur nette, 1,4 milliard de dollars. Sean Corey Carter, professionnellement connu sous le nom de Jay-Z, a glissé à la deuxième position cette année dans la liste des rappeurs les plus riches du monde. Il a rejoint le club des milliardaires en 2019. Jay-Z est un très grand nom dans le domaine de la musique qui est connu pour sa voix distinctive. Il est le premier milliardaire hip-hop et récipiendaire de 23 Grammy Awards. Il a des investissements dans des lignes de vêtements, des boissons, de l'immobilier, entre autres. Il a également des intérêts commerciaux dans des clubs, des casinos et une entreprise de produits à base de cannabis. Il est marié à la célèbre chanteuse américaine Beyoncé. 1. Kanye West, valeur nette, 1,8 milliard de dollars. Kanye West s'est hissé en tête de liste cette année en battant Jay-Z. Kanye a commencé sa carrière dans l'industrie de la musique en tant que producteur et il a même écrit des chansons pour quelques chanteurs célèbres et populaires de l'industrie de la musique comme Jay-Z. Cependant, il voulait faire les choses en grand dans le domaine du rap et a décidé de poursuivre une carrière dans le rap. Le tournant de sa carrière survient en 2000 lorsqu'il commence à produire pour des artistes du label hip-hop américain Rock a fait la record. Il a vendu plus de 150 millions d'albums et a reçu 22 prix Grammy. Outre la musique, Kanye a un intérêt commercial pour la mode et le design et il a collaboré avec les marques de luxe international Louis Vuitton et commercialise également ses propres lignes. Il a été marié à Kim Kardashian pendant 7 ans de 2014 à 2021. C'est ici que prend fin cette vidéo. On se dira très bientôt pour une nouvelle vidéo.